quelqu'un qui vit dans une situation d'oppression, peut-être dans la famille, ce genre de choses, doit aussi rendre grâce à Dieu pour ça. Oui, c'est-à-dire que si tu as les oppressions, donc la question c'est pour quelqu'un qui vit dans les oppressions, peut-être avec sa famille biologique, c'est ça? Voilà, qui vit parce que avec sa famille biologique, est-ce qu'il doit rendre grâce à Dieu pour ses oppressions? Maintenant, il faut d'abord, je laisse la dimension famille, n'est-ce pas? Je prends d'abord le mot oppression. L'oppression, c'est quoi? L'oppression pour quelqu'un qui est rouillé, c'est-à-dire un esprit rouillé, un esprit qui ne vit pas dans le temps de Dieu, comme je disais, qui ne connaît pas Dieu, qui ne sait même pas qui il est. L'oppression a été présentée à ce genre d'individus par la société que c'est un danger, c'est un, comment je dis, c'est un acteur qui n'est pas bon. En fait, c'est un opposant. Donc, il est là pour te tuer. Alors, c'est ça. Maintenant, et le mot oppression est un mot qui est vivant. Et les initiés, les ingénieurs sociétaux ont bien compris quoi mettre dans ce mot. Parce que quand à l'école, quand on faisait les figures de style en français, on parlait des qualificatifs. Et dans ces qualificatifs, il y avait des mots péjoratifs. Tout ce qui est pigeon, tu vois quelqu'un dire, il est court comme une. Tu vois un peu, non? Quand on dit pygmée, on dit ah. Est-ce que tu vois un peu? Quand nous on est en Europe, tu sors ton passeport, on dit ah, Londolais, cache ça. On vous voit le Bordeaux. Tu vois, tu es en Europe, mais tu es stressé par rapport à la façon la société est construite. Quand tu te présentes devant quelqu'un, on demande ta nationalité. Tu vois peut-être un noir là-bas dire je suis français ou anglais. Toi, tu as honte de dire que tu es Camerounais. C'est une oppression. Et elle devient oppression, pourquoi? Parce que moi, la manière dont la société m'a construit, elle m'a très mal construit. Elle m'a justement construit expressément pour que les mots me font peur, pour que les situations me font peur, pour que les événements me font peur. Et en dehors même de ça, vous allez à l'hôpital, le médecin fait un diagnostic. Observez bien, quand vous sortez, quand le médecin sort de là, il vous donne par exemple, il te dit, tu as un kyste ovarien tangentif. Tu lui dis, donc calme-toi, explique-moi de quoi est-il question. Il te dit par exemple, un ovaire, machin, truc. Directement, qu'est-ce qui se passe? Tu as peur. Donc, dès que tu sors de là, la maladie devient très puissante. La force de la maladie se multiplie fois 10. Parce qu'avant que tu ne parles, tu n'avais pas encore la quintessence, c'est-à-dire que vraiment la dimension du mot, de ce qui se passe. Mais quand on te sort un mot avec un vocabulaire, un qualificatif bizarre, tu dis, mais je suis déjà mort. C'est l'oppression qui commence. Il y a des gens qui sont morts du sida quand on leur a dit qu'ils ont le sida. Mais pourtant, à côté, dès qu'on lui dit qu'il y a le sida, on lui dit en même temps qu'il y a le médicament. Il dit non. Le sida, même le médicament, les rétros ne peuvent pas gérer ça. Le gamin, il appelle la mort. Donc, parce qu'on t'a conçu de manière que dès qu'il y a oppression, il faut appeler, faire appel à la mort. Parce que l'objectif de l'oppression, selon la société dans laquelle nous vivons, c'est que ça doit te tuer. La finalité de l'oppression, c'est qu'il faut que tu parles. Et pourquoi j'ai enlevé le mot famille expressément, hein, c'est parce que c'est là qu'il avait chuté. Quand vous prenez aujourd'hui les informations à la télévision, à la radio, il n'y a rien qui vient de nos télévisions et de nos radios qui n'est pas oppressant. Que ce soit même des radios occidentales. C'est-à-dire, je n'ai même pas envie de citer les noms des radios. C'est une infamie. C'est de la calamité. C'est la fin même du monde qu'on annonce tous les jours. C'est de l'oppression. Il y a l'oppression sociétale au niveau de ce qu'on appelle je veux manger quoi, je veux dormir où, je veux devenir quoi après mon diplôme. C'est de l'oppression. Mais tout ça, on appelle ça oppression, pourtant au fond c'est rien. Pourtant au fond c'est rien. Alors, maintenant, pour un être qui est régénéré, qui vit dans les explications, c'est-à-dire dans le temps de Dieu, que tous les jours, il est actualisé par Dieu. Chaque événement, circonstance ou mot oppression
est une énergie de propulsion pour lui. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça veut dire ce qu'on appelle oppression, le païen, l'ignorant, l'inconscient, appelle oppression pour celui qui vit, pour un vivant. C'est une énergie de propulsion. À l'époque, quand je jouais les games, il y avait des parties très intéressantes dedans. Tu vois, plus tu combats, regarde, quand tu combats, tu avances. Il y avait parfois, ça pouvait être symbolisé par une touffe d'herbe. Dans l'image, hein, dans l'image du jeu vidéo, quand tu allais, tu embrassais la touffe d'herbe là, tu vois, ça tourmentait l'énergie. Je ne sais pas pour ceux qui ont joué les jeux vidéo. Donc, il y avait des petits trucs là. Parfois, c'est un fruit qui venait, tu prends, ça tourmente l'énergie. On est dans un jeu. L'univers n'est qu'un jeu. Je dis, ce n'est qu'un jeu. Et tous les jours, comme le jeu se passe, il te faut du carburant. Et le carburant pour un être réveillé, c'est les oppressions. S'il n'y a pas oppression, pour un être réveillé, il n'avance pas. Tu sais pourquoi Moïse a été très aimé par le Créateur? Parce qu'on lui a placé la plus dure des oppressions. Je ne veux pas parler de Jésus, je parle de Moïse. Parce que moi j'aime beaucoup l'Ancien Testament. Tu vois, pourquoi? Parce qu'il a eu la plus... Tu imagines aller se placer devant Pharaon et dire à Pharaon, parce que quand on parle de Pharaon, on te parle là de Satan. Hein? Ce n'est pas un être humain. C'est-à-dire Moïse va causer avec Satan face à face. Et il lui dit, imagine Satan, tu pars voir Satan, tu lui dis, libère le peuple camerounais. Libère le peuple du monde entier. Tu vois un peu ça? Donc c'était une épreuve, c'était une situation, un événement que Moïse devait gérer. Et dans, je pense, dans Exode 5, tu sais ce que Pharaon lui dit? Pharaon lui dit, Moïse, ce n'est pas quand le peuple s'est multiplié que tu vas venir me dire que Dieu m'a demandé de le laisser. Qui est Dieu? Moi, je ne le connais pas. Là, Pharaon était trop clair avec ça. Donc, quand tu prends ton âme puissante, que Dieu, tu peux avoir quelqu'un qui dit, Dieu m'a dit de te dire, de faire ceci. Il te dit, je ne connais pas ton Dieu. Ça veut dire qu'il a fini ta carte. Tu vas encore faire comment? C'est la raison pour laquelle tu vois, pour qu'on fasse partie d'Israël, comme Dieu est vivant, il n'a pas voulu montrer que moi, je suis vivant, je veux me comporter comme Dieu. Il n'a que utilisé les choses que Pharaon s'agrippait sur ça pour être tout puissant. La grenouille que Pharaon, parce qu'on appelait Pharaon roi, Ra, le dieu du soleil. Il a utilisé le soleil, il a utilisé la pluie, il a utilisé les grenouilles, il a utilisé le temps. Comment parler du temps? Il a utilisé le temps pour gérer Pharaon. Il a dit, ok, je sais que ce matin tu vas descendre pour aller bénir le Nil. Je vais transformer l'eau du Nil en sang. C'est tout, hein? Tu vois un peu? Et quand il transforme l'eau du Nil en sang, qui commence à avoir peur? L'oppression. Et qui commence à avoir de l'énergie? Moïse. Est-ce que tu vois comment ça fonctionne? Pharaon voit une réponse du Créateur. Moïse, comme il interprète les choses, lui, il devient davantage plus rassurant. Tu vois? S'il n'y a pas oppression, tu ne vas pas faire le prochain pas. S'il n'y a pas oppression, tu ne peux pas donner un témoignage demain. S'il n'y a pas oppression, tu ne peux pas dire que Dieu est vivant. Je ne sais pas si tu comprends ça. S'il n'y a pas oppression, tu ne peux pas finir que quand il y aura deuxième oppression, parce que les oppressions ne vont jamais finir. Tu dis, mais c'est quoi tout ça? Parce que celle que j'ai gérée hier là, c'était costaud. Hein? Et, comme, et puis quelqu'un te demande, mais tu comptes même sur quoi? Tu dis, mais moi je compte sur Dieu. Jusqu'avec lui, j'ai géré notre oppression hier. Je vais encore gérer l'autre aujourd'hui, puisque comme je dis, il est vivant tous les jours. Et pour sortir de là, c'est pourquoi tu vois, quand les enfants d'Israël parviennent même à quitter, c'est-à-dire, disons, 10 km du centre-ville d'Égypte, et se retrouvent en bord, en face de la mer Rouge, c'est-à-dire, vous quittez Bissian ou Bidou, vous vous retrouvez ici, voilà la mer, il faut traverser pour tomber au Gabon. Ils se retrouvent là au lycée, devant la mer. Les gars ont commencé à dire que, car on t'avait dit que laisse-nous servir par là. C'est-à-dire, ça, c'est des gens rouillés. Des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que l'oppression. D'autres lui disent même que, mais Moïse, tu penses que des choses comme les concombres, les poireaux, les oignons du pharaon,
Il peut manquer ça. Tu nous amènes ici dans un désert, on est fatigué, on n'a pas quoi manger. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Comme Dieu a ouvert la mer hier, alors il vous donne la manne. Comme Dieu a arrêté Pharaon par le feu, parce que quand Pharaon le suivait, la Bible dit le feu est descendu. Comme il a arrêté Pharaon, ça couche par le feu, alors il ouvre la mer rouge. Et après la mer rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Les Moïse ont chanté le premier cantique de toute l'histoire de l'existence. Même Adam n'avait jamais chanté. Hein? Est-ce que tu sais que les chansons, les cantiques viennent de Moïse? Même Adam n'a jamais chanté. C'est Moïse qui vient avec les cantiques. Donc quand tu vois les gens chanter « Dieu, tu es bon », chacun est chanté comme il peut chanter. La première personne à avoir l'inspiration des cantiques, c'est Moïse. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens qu'on ne chante pas pour répéter les balivènes. On chante parce qu'on vient de traverser une circonstance, un événement, on a vu la main de Dieu. Donc la chanson devait venir, la chanson est une action de grâce. Chanter, c'est une action de grâce. C'est une réponse de ta part pour dire à Dieu, je n'ai pas de mots. Je réalise aujourd'hui que vraiment, c'est par toi que je puis tout. Il n'y a que toi. Ce n'est que par toi que je comprends. C'est par toi que voilà. Voilà pourquoi les gens chantent. Mais aujourd'hui, tu vois les gens dans les milieux, chacun tape, jusqu'à quelqu'un te dit que frère, dansons pour Dieu. Quand on allait en boîte de nuit, on ne danse pas parce que les boîtes de nuit nous manquent. Non! On danse parce qu'on vient de voir la main de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, que moi j'ai béni tout. Puisque normalement, à toute heure, chaque jour, on voit la main du vivant. Est-ce que vous voyez un peu ça? Voilà. Bon, maintenant, le mot famille, pourquoi j'ai retiré ça? Parce que si je te garde ce bon niveau de famille, tu peux porter... Comme tu n'as pas encore une interprétation bien des événements, tu peux porter une haine contre la famille. Alors, c'est une façon de te faire comprendre que la famille, c'est un visage de Pharaon. Et demain, ça ne serait pas la famille. Demain, ça peut être avec le mari. Ça peut être avec l'enfant, sa maladie. Ça peut être avec le voisin. Ça peut être... Donc, Pharaon prend toutes les sortes de formes qu'il veut. Mais le fond reste que c'est des événements. Donc, ce dont tu as besoin, c'est de comprendre ce qui est bien pour toi. Mais, comme je le dis et je le répète, on ne peut pas comprendre ce qui est bien pour soi quand on n'a pas pris conscience du soi. Tu vois cette rhétorique-là? Prendre conscience du soi, c'est devenir conscient de la conscience. Maintenant, quand tu es conscient de la conscience, tu peux interpréter les événements. Parce que les événements ne sont pas en dehors de toi, hein? Les événements, c'est un morceau de l'univers qui est en expression, qui est en mouvement. Donc, pour mieux comprendre, puisque tu es tiré de l'univers, pour comprendre son langage, il faut que tu aies réalisé qui tu es. Et on le réalise que quand on est révolté. Et je répète, on ne devient pas ce qu'on veut devenir. On est déjà ça. Je prends par exemple, quand quelqu'un se dit, je suis devenu mère, vous pensez que vous êtes devenu mère parce que vous avez accouché? Tu es mère depuis quand le Créateur a dit entrer dans le monde. Il faut comprendre ça. Hein? Tu n'es pas mère quand tu as fait l'enfant. Donc, penser que je suis mère quand j'ai fait l'enfant, c'est la société qui m'a conditionné comme ça. C'est la raison pour laquelle tout le monde protège son enfant. Et la notion de protection, nous savons qu'elle est fausse. Puisque rien ne nous appartient. Quand vous allez dans la Bible, on dit que vous êtes les tuteurs de ces enfants. Quand quelqu'un dit c'est mon terrain, j'ai le titre foncier, on lui dit la terre appartient à Dieu. C'est pourquoi Dieu peut parler la terre. On dit Moïse a parlé, la terre a ouvert sa bouche. La terre c'est un être vivant, il n'appartient à personne. Mais quand on est limité, on dit c'est mon morceau de terre. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc l'oppression, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc c'est ça. L'oppression c'est une très bonne chose. C'est quelque chose qui me fait pas, qui me vient en tête, ça me fait rire. C'est pour voir comment t'as dit, tu vois au fur et à mesure que les gens grandissent, ils ne savent pas que comme tu prends de l'âge là et que tu embrasses certaines choses, c'est d'autres pans
d'éducation qui s'ouvre déjà de nous. Oui. Lorsque parlons de l'oppression, moi je les appelle souvent des cadeaux. Voilà. Des cadeaux emballés que je suis libre de prendre ou de ne pas prendre. Voilà. Est-ce que c'est possible que, parce que quand on dit l'oppression, peut-être ça peut être une parole que quelqu'un t'avance. Voilà. Il te dit, par exemple, tu es, je sais pas. Tu es porté comme deux pommes. Justement. Voilà. Ou tu es très grosse. Voilà. Mm-hmm. Et maintenant, si tu laisses cette parole-là, si tu prends cette parole-là, puis c'est un cadeau, mm-hmm. et tu fais de ça ton cadeau, mm-hmm. mais ça te presse. Ouais. Ou bien si tu as la compréhension, cette parole-là, tu peux la transformer, tu peux transformer ce cadeau-là en quelque chose de bon et la gérer. Oui. Ce que tu dis même sur le fondement de l'oppression. L'oppression ne commence que par les mots. Ouais. Parce que même quand on passe à l'acte des coups de poing, ou à l'acte qu'on est venu retirer ce que tu pensais être pour toi, il y a les mots d'abord qui ont commencé. Maintenant, comment le mot est plus dangereux que casser? Alors maintenant, parce que le mot, c'est un être vivant. Maintenant, comment est-ce qu'un être qui est irrégénéré peut gérer un mot? C'est pourquoi j'ai commencé au niveau que les mots sont vivants. Alors, quand on dit tu es coûteux comme deux pommes, ou tu es pygmé, ça te fâche. Tu vois un peu? Quand on dit à quelqu'un, il ne sait pas lire écrit, il est dans tous ses états. Mais qui t'a dit que parce que tu peux déchiffrer le calligraphe, que ton existence dépend de ça? Mais non. Moi, j'ai vu, j'ai rencontré quelqu'un au Cameroun, je ne sais pas, M. Mongeta, qui me faisait savoir, ses enfants n'ont pas trop évolué là, dans l'histoire des écoles, mais ils ont une tête, ils dépendent des voitures. Il n'y a rien qui les dépasse. Ils ont une intelligence inouïe. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Est-ce que tu comprends? C'est la raison pour laquelle je disais souvent que on n'a pas besoin d'aller à l'école pour écouter ce qui se dit à l'intérieur. Quand on est assis là, on écoute ce qui se dit à l'intérieur. On écoute le soi parler. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, donc quelqu'un peut te balancer que, comme tu as dit, oh voilà, tu es très grosse. Oui, tu peux prendre ça. Parce qu'elle peut dire ça sur le fait d'un constat. Parce que gros, c'est quoi? C'est que tu as sûrement une augmentation de graisse qui ne devait pas être. Parce que moi, je dis plus que quelqu'un est gros, qu'il a le riz, il est comme. Non, tu peux être comme ça, mais tu es en santé, ça dépend. Est-ce que c'est ton poids normal? Parce que tu vois un peu. Voilà, maintenant, il y a une augmentation de graisse qui est là. Ok, d'accord. Si ça te touche tant. Il y a des méthodes de comment, c'est-à-dire perdre cette graisse-là. Donc, c'est où on dit tu peux utiliser un mot à ton avantage. C'est un constat, c'est une analyse qui est là, qui est réelle. Mais ça ne veut pas dire que ça doit te tuer, que tu ne peux pas changer. Bon, maintenant, deuxième chose, est-ce que maintenant je vais aller perdre le poids parce que je veux lui faire plaisir? Justement, c'est ça. C'est là où elle dit que tu auras pris la parole de quelqu'un et fait ta part avec. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est ça. Donc les situations dans les familles ou dans les milieux ou dans la société, ça nous dépérit parce que nous l'interprétons mal. Et parfois on arrive au niveau où on veut justifier. Quand quelqu'un te dit ça, tu veux justifier, tu veux justifier. C'est ça. Est-ce que quand on arrive au niveau de vouloir se justifier, est-ce que c'est parce que ça nous a atteint? Oui, parce qu'on a thématisé le mot qu'on a employé, c'est-à-dire que l'adversaire a employé. Quand l'adversaire me dit je suis un pygmée, si je donne de la valeur à ce mot selon la société, parce que pour la société, un pygmée c'est quelqu'un qui est primitif. Alors, je veux dire, attends, il m'appelle moi un primitif, donc je vis en forêt. Mais nous savons que pourtant, tous ceux qui vivent en forêt, c'est même des grands sages. Parce que c'est eux qui sont restés en contact avec la nature. Parce que je peux être pygmé, étant grand de taille, mais je reste en contact avec la nature. Donc tu vois que je peux renverser ça. Et c'est ça la compréhension. Donc moi, je n'ai pas le même sens du mot pygmé que lui. Lui, pour lui, pygmé veut dire vraiment tu es court, tu es primitif, tu ne connais pas boire le lait, tu n'as jamais mangé les spaghettis.
Tu n'as jamais mangé, par exemple, la viande brisée, le poulet brisé, tu ne connais pas le shawarma, tu es un pygmée. Tu ne portes pas les vestes. Tu es un villageois. C'est ça. Après, tu commences à dire, ah, vraiment, tu es stressé. Donc, c'est la compréhension maintenant qui tamise et sait comment balancer le monde. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, autre chose, c'est que un point très mystique que je vais dire, c'est que quand les événements commencent à partir de la famille, parce que les plus grands événements, c'est dans la famille, ce n'est pas en dehors de la famille. Quand ça commence déjà dans la famille, il y a deux choses qui vont se passer. Tu l'interprètes mal, tu deviens la serpillière de la famille. Tu l'interprètes bien, tu vas te séparer de la famille dans la conscience. Et c'est cette deuxième dimension qui est souvent très difficile même pour les soi-disant chrétiens. Parce qu'il y a cette dimension qui revient pour que, non, c'est ma mère, non, c'est mon père, c'est ma soeur, c'est mon frère, on est du même sang. Est-ce qu'on peut se séparer comme ça? Est-ce que même Dieu est venu dire qu'on se sépare? On parle le même patois, on est du même village, on est du même pays, on est de la même nation. Donc, ça, c'est la dimension où beaucoup de gens, restent captifs. Parce que les grands esprits sortent, les événements viennent les faire sortir de la conscience universelle. C'est la conscience de la famille. Parce que la famille, c'est un gardien de la matrice. Toutes les familles que tu vois là, il n'y a aucune famille qui est bonne sur la terre. Toutes les familles sont des gardiens de la matrice, surtout quand ils ne sont pas réveillés. Et quand tes événements, comme on parlait de cadeaux, pour qu'on te donne quelque chose de beau, de grandement, on ne peut pas le faire sans passer par ta famille. Parce que si Dieu m'utilise pour te persécuter, ça n'aura pas trop d'impact. Mais s'il utilise ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ta petite soeur, ton grand frère, un cousin que tu t'étais trop attaché, ton mari ou ta femme, il y aura quelque chose de grand qui va sortir là derrière, si tu l'interprètes bien. Et tu sais que tous ces gens qui viennent te citer là, quand tu l'interprètes mal, tu entres dans la dépression. Parce que je vois des gens qui craignent leur fardeau, leur croix tous les jours. Non, je ne pouvais pas imaginer que ma mère me fait ça. Ma mère! Je dis, mais ta mère, c'est quoi? Ta mère, ce n'est qu'un bout d'univers. C'est un morceau d'univers, ta mère. C'est un morceau de Satan. C'est toi, c'est la société qui t'a fait croire que c'est ta mère. C'est un morceau de Satan. Qu'est-ce qui a changé dans ta mère? Ta mère n'est pas Jésus. Mon père, c'est la même chose. Et c'est à cette dimension que dans le milieu religieux, les soi-disant faux pasteurs ont profité pour séparer les couples. Quand la femme adhérait à une assemblée, on dit ton mari qui a besoin de le démon, comme il ne vient pas avec nous, elle paraît se séparer. Mais pourtant, elle ne comprenait pas que le fait même que le mari ne vient pas, elle doit interpréter pourquoi il ne vient pas. C'est pourquoi Paul dit, moi je ne dis pas, moi je laisse Paul, je dis ce que moi je dis aux gens, c'est que si tu penses que ta mère t'amène, ton père t'amène, ou ton mari, ne parle pas encore d'accord avec elle. N'est-ce pas? Si tu es esprit, si tu es la lumière luit toujours dans les ténèbres. Tu comprends? Quand il y a obscurité quelque part, ça veut dire qu'il y a absence de lumière. Brille seulement plus, tu vas couvrir, tu vas éclairer ta mère. Et éclairer ma mère n'est pas dit que je suis obligé de que j'accepterai, que je entre dans les compromissions avec elle. Non. Je pose mes actes selon la vie. Tôt ou tard, ma mère va comprendre. Parce que la vie n'a jamais trompé qui que ce soit. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est ça la force de l'interprétation. Quand tu deviens un esprit, c'est comme ça qu'on fonctionne. Les esprits n'ont pas d'amis. Ils ont des amis dans l'esprit. Les esprits, c'est des gens parfois trop solitaires. Ils sont des gens qui vivent seuls. Sur le plan physiologique. Mais sur le plan spirituel, ils sont remplis. Ils sont pleins d'amis. C'est de ça qu'il est question.
Donc, c'est ça le rôle des événements. Et je dis bien, chaque fois que tu veux faire quelque chose dans ton quotidien, un événement va se présenter. C'est ça. Donc, les histoires de famille, et tu vois, pour sortir de là avec un verset biblique, comme j'aime toujours donner les versets bibliques, si vous, on parle dans Matthieu chapitre 1, si je ne me trompe pas, quand on montre la généalogie de la famille de Dieu, à la fin, vers la fin là, on va citer Adam. Que Adam est devenu fils de Dieu. Il est devenu fils de Dieu. Ça veut dire qu'au départ, il n'était pas. Adam devient fils de Dieu. Mais il y a le nom de quelqu'un qui ne va pas apparaître. Caïn, son frère. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Caïn, son frère, ne doit pas être cité comme devenu fils de Dieu. Parce que Caïn est resté dans la mort. Tu vois ça? Ils sont sortis du même père, non? De la même mère, non? Mais l'autre est devenu fils de Dieu quand l'autre est resté Caïn. Donc les familles que tu vois là, je répète encore, c'est des gardiens de la société. Ta mère, ton père peut être un dévoreur. Mais Dieu va l'utiliser pour te bousculer. Comme tous les jours sur le temps de Dieu, c'est à partir de ta mère, ton père, ou de ta soeur, ou je ne sais pas moi qui, que Dieu va vouloir te donner ce qui est bien dans la compréhension. Mais tant que tu n'étais pas réveillé, tu vas dire, bon, ma mère, elle peut me maudire. Hein? Quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais si elle fait ça à ma mère, quand je vais accoucher, elle ne va pas le dire. Je dis, c'est elle qui vient de le sein à l'enfant. Tu veux qu'elle parle comme un monsieur de la société. Son rôle, que ta mère vienne, que tu as couché, son rôle, c'est quoi là-dedans? Son rôle, c'est quoi là-dedans? Et pour les Africains, surtout les Camerounais que je connais, ils en font trop avec les histoires de famille. Ils en font trop. Moi, je pose souvent la question à certains, mais quand vous allez seulement en Europe là, et que vous êtes même sans papier, votre, l'utilité de ta mère et ton père encore où? Tu as des tas d'événements devant toi que même ni ta mère, ni ta mère, même sur la place là, elle va dire que je ne te connais plus comme mon enfant. Elle va t'abandonner avec ça. Donc grandissons un peu. Et c'est dans l'esprit qu'on grandit. C'est dans l'esprit. Voilà pourquoi il est très important que chacun de nous s'actualise. Si tu es périmé, tu vas vivre les événements. Tu ne vas pas vivre les événements, tu vas subir les événements. Tu vas subir l'oppression. Et l'oppression va te transformer comme elle est. Donc, c'est un peu ça. Donc, Adam devient fils de Dieu et Caïn est resté fils de Satan. Donc, la société n'est que des petits Caïn que tu vois là. Ta mère, c'est une Caïnite. Ton père, c'est une Caïnite. Tout cela, tant qu'il n'est pas réveillé, tu as fait à Caïn. Donc, à tout moment, même ton père peut te tuer. C'est de ça qu'il est question. Et c'est comme ça que le Créateur a voulu les choses. Et pour moi, je ne trouve pas ça mauvais. Ça fonctionne comme ça. Mais c'est à toi de comprendre. Voilà pourquoi il dit, quand j'ai enlevé la famille pour eux, tu n'interprètes pas mal la famille. Tu ne dis pas bon. Voilà. Parce que quand on est dans les événements, l'un des deuxièmes principes de base, quand tu es dans les événements, c'est que faut jamais porter quelqu'un en cœur. Parce qu'au fur et à mesure que tu portes celui ou celle avec qui tu pensais être en rapport de force, tu vas perdre ton énergie de développement. Ne porte jamais qui que ce soit en cœur. Même si on te crée de quoi, tu ne portes pas en cœur. Parce que tu as besoin de toutes tes facultés pour te connecter au divin. Ça, c'est le deuxième principe dans les événements. Donc, premier principe, c'est réaliser d'abord que tu as fait à Caïn. Deuxième principe, ne pas lui porter en cœur. Troisième principe, interpréter l'événement. Et quatrième, donner une réponse à cet événement. Parce qu'on attend ta réponse. Hein? Même Dieu attend ta réponse en face de l'événement. J'ai dit Dieu lui-même, attend ta réponse. En face de l'événement. Et quand on parlait de Moïse, tu sais pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Parce qu'il a donné une réponse à Dieu devant une situation
On lui dit, va taper une fois. Il est parti taper deux fois jusqu'à dire, je vous ai donné l'eau. Et il a dit, une bande des animaux à la New Red. On a dit, ok, comme c'est comme ça que tu as dit, c'est toi qui les as donné l'eau, tu n'entres pas à la terre promise. Voilà d'où le problème de Moïse est venu, qui n'entre pas à la terre. Ce n'était que ça. Mais comme Dieu savait que c'était quelque chose, que ça devait se passer comme ça, il a dit, Moïse, mais tu ne vas pas mourir. Viens vers moi, sans passer par la tombe. Et c'est ça qui fait la grandeur de Moïse. C'est ça qui fait sa grandeur. Même Jésus est passé par la tombe, s'il faut parler de Jésus dans la Bible. Mais Moïse, lui, il est parti avec ses pieds, aller voir Dieu. Il y a lui, il y a le prophète là. Et voilà. Ils sont tous comme ça. Ça dit, c'est des gens. Et tu vois que c'est des gars qui ont passé toute leur existence dans des événements. Il n'y a pas un seul vrai enfant de Dieu qui n'est pas passé par des grandes épreuves. Mon ami David, Paul, tu veux que tu cites tous. Donc quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui éclaire la mort, qui éclaire les morts. Donc quand il y a absence de pluie, c'est parce qu'il y a le soleil. Tu comprends? Donc c'est ça. Donc, dis que est-ce que tu vas les bénir? Mais bien sûr, tu ne les bénis pas. Pourquoi? Tu les bénis. Seigneur, bénis ma mère, ou mon père, ou ma soeur, parce qu'aujourd'hui, il m'a dit à moi que je ne serai rien. Mais puisque le mot être quelque chose, je ne le deviens pas, mais je le suis déjà parce que tu es vivant. C'est tout, hein? Voilà une prière. Parce que moi, je sais déjà qu'on ne devient pas quelque chose. On est quelque chose. Je nais avec. Donc, que ma mère dise que, ou mon père dit que je ne vois rien devenir, ça c'est faux. C'est toi qui tu es. Le Christ a dit, je suis. Donc, tu es. Et tu verras que beaucoup de mots que nous encaissons, même ce sont des mots qui viennent des ignorants. Et comme elle disait, tu fais de ça ton cadeau. Un ignorant te parle. C'est pourquoi David avait dit que, mais quel est ce fils de chien qui parle aux enfants d'Israël? Tu vois, lui n'a pas cru à ce que Goliath disait. C'est de ça qu'il est question. Réaliser qui on est et qu'est-ce qu'on peut faire en face. Les choses coulent seules, ça vient seul, les réponses viennent seules, tout vient seul. Donc c'est ça. Voilà.